Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bonjour Claire. Bonjour Yves, ça va bien aujourd'hui Ça va très bien, avec euh, hein, la petite neige ce matin. j'imagine que pour euh, le vin de glace de vous êtes en plein dans le mille. <laughs> J'aime beaucoup. <laughs> oui, ça, ça, ça serait... <laughs> oui c'est ça. On pourrait faire du vin de glace, mais en fait, le raisin pour faire le vin ouais. de glace doit être un raisin qui gèle sur ah, le bon, plan. Vous n'avez pas de bon raisin. C'est ça. Ah, ça bon. C'est pas n'importe quel raisin qui fait un bon vin de glace. Ah, ben, peut-être. Alors, euh, un jour, peut-être. <laughs> un jour, peut-être. Rencontre avec Pierre, fils Gibon et Madame Marie ève Pro, ça s'est fait hier. Ça, oui, tout de suite quand je partais hier, Oui, hier, hier midi, c'est vrai, oui, c'est ça. J'avais une euh, on était en visioconférence avec le, le ministre Pierre Fitzgibbon et Marie-Ève Prou. Ils ont euh, rappelé les bases, les euh, ce sur quoi que, quelles sont les balises qui vont euh, orienter le travail dans les prochains mois pour le retour euh, on, on ne parle plus de retour à la normale, mais pour revenir dans, certains, euh, dans certaines activités. Ouais. Il a rappelé, d'entrée de jeu, euh, M. Fitzgibbon a rappelé que le Québec avait établi ses priorités et que ces priorités-là restent, les priorités du Québec. Elles seront renforcées, mais elles restent les priorités du mmh. Québec. Ça, dev, ça va être les mêmes. Euh, alors la première priorité... Soutient l'innovation dans les entreprises. L'innovation, l'automatisation, la, toutes les nouvelles façons de travailler. La la, technologie, les technologies. Les nouvelles technologies, ça va être un de leurs grands, grands, grands chantiers. Et c'est intéressant, on, on, ils avaient lancé ce, ce chantier-là dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte d'automatisation, dans un contexte de COVID, dans un contexte. Il mmh. y a un momentum pour faciliter ça. La deuxième priorité qu'il nous a rappelée, c'est réduire notre déficit commercial. On, on exporte beaucoup, nos entrées d'argent viennent beaucoup de ce qu'on ex exporte et on a un seul... Gros client, qui est les États-Unis. Oui. Le Québec euh, exporte 60 de ce qu'il produit ailleurs au Canada. Quand même. Mais du 40 qui sort du Canada, c'est 72 qui s'en va aux États-Unis. Oui. Alors, sachant ça, ça nous rend très fragiles. Si les États-Unis éternuent, on attrape la COVID-19. C'est pas mal ça, là. Alors, euh, dans ce contexte-là, le gouvernement veut réduire notre déficit commercial. Et ça veut dire aussi. À être plus productif chez nous, mmh. produire plus de ce qu'on consomme chez nous pour être moins dépendant de l'approvisionnement extérieur. Encore là, on l'a vu en période de pandémie. Oui. Euh, certaines... On est obligé de le faire. C'est ça. Et voilà. Certaines, euh, certaines matières... Euh, que ce soit des médicaments, que ce soit des équipements de protection individuelle, que ce soit des matières de base comme l'alimentation, quand ça vient de l'extérieur, ça nous rend fragiles. Alors, c'est une, une deuxième priorité. La troisième priorité, favoriser les investissements directs qui permettent de maintenir la propriété des entreprises québécoises au Québec et ça c'est une grande priorité pour le pour le gouvernement actuel ces priorités là sont les mêmes et elles vont être renforcées cela dit Monsieur FitzGibbon nous a quand même euh, Beaucoup euh, parlé des aides qui avaient été mises en place dans le contexte de la COVID, en nous disant euh, clairement que le gouvernement fédéral avait fait un très bon coup sur le 40 000 accordé aux entreprises. Mmh. Le 40 000 de soutien direct aux petites et moyennes entreprises. Ils ont euh, négocié avec eux, ils ont réduit le niveau salarial à 20 000 par année pour avoir accès. Ils ont. Euh, C'est 176 000 petites et moyennes entreprises au Québec qui avaient droit. Quand même! Il y en a 105 000 qui s'en sont prévalues. 105 000 sur Quoi? 176 000. 40 000. Mais le, on, le, le commentaire de, du ministre Fitzgibbon, c'était, sont où les autres? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été cherchés ben ouais. cette opportunité-là? Là, Là nous, d'emblée, ça nous surprenait, mais il disait, rappelons-nous que c'est un 40 000 qui, en, sans intérêt pour trois ans, et en 2022, au 31 décembre 2022, les entreprises qui auront remboursé 30 000 sur le 40 000 ouais. auront été considérées comme ayant remboursé l'ensemble du prêt. Donc, il y a 10 000, euh, 10 000 de subvention. dans tes poches. Là. Alors, M. Fitzgibbon nous a rappelé de rappeler à nos entreprises... Le grand intérêt de ce programme-là, mmh. qui est euh, très rapide à utiliser, tout ça, et il dit qu'il faut vraiment inviter nos entreprises à se prévaloir de cette aide-là. Il a souligné l'ingéniosité mmh. de la mécanique mmh. pour avoir accès à ce prêt-là. On l'a évidemment questionné sur Internet haute vitesse. Oui, absolument. Internet haute vitesse, là, c'est le sujet de l'heure. On ouais. ne le dira jamais ouais. assez. Et euh, le ministre dit que des annonces sont imminentes. Il y avait eu un appel de projet l'automne dernier, 400 millions pour des couvertures, des, un appel de propositions par les grands, les grands câbles distributeurs. Euh, on ciblait les grands câblodistributeurs distributeurs parce que la volonté était d'avoir des propositions qui couvrent un territoire au complet. Alors, on ne voulait pas avoir une proposition qui fait un peu de couverture ici, un peu de couverture là. C'était on couvre le territoire. Qu'est-ce qu qu qui n'est pas couvert? On le couvre le territoire. Alors, euh, M. Monsieur, monsieur le ministre a annoncé que les annonces étaient imminentes et euh, que, euh, que les, la priorité avait été acc accordée aux régions. Alors, ah, euh, à suivre. Oui, certainement, à suivre. En ce sens-là, la Fédération québécoise des municipalités, qui continue de marteler le message, <laughs> déposait... Euh, hier, un mémoire au CRTC. Le CRTC avait fait un appel aux observations sur les obstacles potentiels au déploiement de réseaux. Et euh, la FQM a repris nos arguments. Rendez le service, déclarez le service essentiel. Si, si vous le faites, vous venez de changer complètement la donne exact. sur la manière dont les câbles distributeurs vont agir. Exact. Alors, euh, ce mémoire dénonce aussi le comportement des grands câbles distributeurs qui veulent maintenir certains monopoles alors que c'est un service essentiel. Et il fait part au gouvernement fédéral d'accélérer le tempo. Le gouvernement fédéral avait annoncé dans son budget 2020 qu'il se rendait jusqu'en 2030 pour la couverture des milieux ruraux, c'est trop loin. C'est beaucoup... On va trop ramener loin. ça un peu, là? Oui, on demande que ça soit ramené. Un autre sujet dont nous a parlé M. Fitzgibbon, c'est le tourisme. Oui. C'est un, un secteur qui est particulièrement, euh, qui est particulièrement fragile. Oui. C est, c est le tourisme, c'est toujours l'activité qu'on fait quand... Quand on a répondu à tous nos besoins de base. Alors là, on peut voyager, on peut faire du tourisme, on peut apprécier. Alors, le tourisme, évidemment, dans, dans un contexte comme celui qu'on connaît en ce moment, c'est peut-être le secteur qui va être le plus durement frappé problématique un peu. Durement frappé, et on, a, on lui a demandé de tenir une rencontre nationale sur le ouais. tourisme, savoir comment on relance, savoir comment on peut accompagner correctement les milieux touristiques des, de différentes natures. Mmh. On a parlé des pouvoiristes cette semaine, mais tous nos secteurs hôteliers, euh, nos petits hôtels comme nos, nos grands secteurs, euh, les zones touristiques. Comme par exemple la Banique, qui offre, qui a une offre touristique assez unique. Mm. De quelle façon on peut soutenir nos entreprises touristiques et le secteur touristique Pour un territoire comme le Témiscamingue, le tourisme c'est entre 15 et 18 de nos revenus Bien, annuels, de, rien, de, 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 de la circulation ouais. de, notre, de notre activité économique. C'est pas rien, mais pour un secteur comme les Îles-de-la-Madeleine, c'est à peu près 60 de leur. revenu. un petit peu plus. Et voilà. Et les Îles-de-la-Madeleine, ouais. leur saison touristique, nous, c'est à chaque saison, on peut avoir une proposition. Mais les Îles-de-la-Madeleine, c'est mai à septembre. Ouais. Si tu sautes la saison touristique, alors c'est ça. Ouais. Alors, c'est vraiment, vraiment une préoccupation. Il y a des maires qui ont parlé des pourvoiries, il y a des maires qui ont parlé des hôtels, il y a les grandes activités touristiques. Nous, la Foire Gourmande, le Rodéo du Camion, le Festival Western, ce sont des grandes activités touristiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a demandé, euh, il n'y avait pas de réponse là-dessus, et il nous a rappelé que c'était n'était pas nécessairement le secteur de la plus grande priorité. Mais il y a tout de même euh, des annonces qui sont en préparation sur euh, ce qui va arriver avec le secteur de l'hôtellerie et le secteur des pourvoiries. L'ouverture de la pêche aussi, tu veux me parler avec euh, le euh, tourisme? Oui, avec le tourisme, l'ouverture de la pêche, c'est. La question est venue. Il y a une rencontre du conseil d'administration, du comité administratif de la... de la MRC hier soir. Et la question est venue. L les municipalités nous partagent beaucoup leur inquiétude de l'ouverture de la saison de la pêche amène, euh, on parle jusqu'à 30 000 pêcheurs sur le territoire témiscamien. Et euh, ça amène énormément de. – D'inquiétude. – Des questionnements, de l'inquiétude. Alors, d'une part, pour les rampes de mise à l'eau, la MRC a fait un, un travail collectif. On va avoir des avis pour aviser les gens du respect des règles de, con, de distanciation sociale et de respect de règles de comportement approprié dans un contexte de COVID. Tout le monde va avoir les mêmes dans les deux langues. Mmh. On les a fait traduire. Mais euh, les gens disaient oui, ils arrivent de l'Ontario, ils viennent d'ailleurs, ils vont faire n'importe quoi chez nous. Vrai, on peut le penser, mais notre monde aussi peut mmh. faire n'importe quoi nous chez aussi, nous. Là, faut garder Alors faut regarder. Oui, exactement. Notre propre comportement. Euh, ouais. Peut-être que le comportement des autres va être influencé par notre propre comportement. Alors on fait attention au milieu. Les ZEC n'autorisent pas qu'on puisse camper sur les territoires. Les zones écologiques, euh, et, etc., mm. ne permettent pas qu'on puisse camper, faire du camping sur leur territoire. Les, notre façon d'agir nous-mêmes sur notre propre territoire va être aussi un message. Pour les visiteurs qui vont venir fréquenter le territoire, qui vont venir à leur chalet, qui vont venir dans leur camp de chasse, qui vont venir à la pêche, notre propre façon d'agir va aussi être un reflet de ce qu'on attend des autres. Alors, euh, on se rappelait hier soir, oui, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Oui, ça nous inquiète. Et demain, c'est un sujet qui sera abordé avec le Centre intégré de santé et de services sociaux. On a une rencontre avec eux demain. Ça sera abordé avec eux. Parce qu'il des mises à l'eau, là. Il y en a quelques-unes, nos Témiscamingues. Il y en a plusieurs. C'est assez étonnant. On fait faire euh, ouais, plusieurs hein? pancartes. C'est une douzaine de municipalités qui nous ouais. ont demandé des pancartes. Et on en fait faire plusieurs. Alors, c'est pour dire que, oui, c'est une préoccupation. Et... On peut être inquiet de ce que les autres vont faire. Si nous, on adopte une mmh. bonne attitude, si nous, on le rappelle, on, on fait poliment, mais clairement. On donne l'exemple, finalement. On donne l'exemple et on le rappelle à nos visiteurs. Mmh. Soyons clairs, les, ces visiteurs-là, on est content de les accueillir de façon générale. C'est des gens qui contribuent à notre activité économique puis à l'animation dans notre milieu. Le contexte de la pandémie est inquiétant à tous les points de vue, exact. donc au point de vue des visiteurs également. Mais la, la vraie question, c'est soyons nous-mêmes des modèles pour ces gens-là. Ce sera un peu plus dur de ne pas respecter les règles ouais. et ce sera euh, un peu plus simple pour nous de leur dire qu'ils ne sont pas les bienvenus s'ils ne respectent pas les règles. Exactement. Vous voilà. parlez de la ville de Ville-Marie aussi? La ville de Ville-Marie. En fait, je vais parler du milieu municipal. Il y a euh, la Fédération québécoise des municipalités et on l'a eu en discussion hier soir euh, sur les réouvertures des bureaux municipaux. Mmh. La directive est toujours claire que les bureaux municipaux et celui de la MRC ne sont pas accessibles à la clientèle, à la population, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, la première règle, ça appartient à chaque conseil, conseil municipal ou conseil de la MRC, de décider dans quelle mesure certains services sont essentiels et comment la municipalité les rend accessibles aux citoyens. Et c'est aussi au milieu municipal de décider dans quelle mesure les employés se se présente au travail, se présente au bureau mmh. ou continue en télétravail. On dit que dans la mesure du possible, le télétravail peut être encore favorisé de sorte qu'hier, le, le comité administratif qui est responsable de faire les suivis au niveau de la gestion euh, du personnel, mmh. gestion des activités à l'AMRC, a dit de cette semaine jusqu'au 18 mai, les gens qui veulent revenir au travail tranquillement, ça se fait mais à partir du 19 mai au matin, les gens seront invités à se présenter au bureau. Bon. Alors, on est dans cet horizon-là. Et euh, comme les activités reprennent lentement, la ville de Ville-Marie a travaillé fort pour produire des guides utiles aux citoyens et aux autorités municipales pour la tenue, la réouverture de certaines activités. Monsieur euh, Michel Roy, donc, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Oui, Michel Maire. Bonne fête, Michel. Joyeux anniversaire, Michel. Alors, M. Michel Leroy a euh, rendu disponible auprès de tous les élus municipaux les guides qui ont été produits par la Ville de Ville-Marie, notamment pour l'ouverture d'un camp de jour. À partir des normes de l'institut national de santé publique, le personnel de la ville de Ville-Marie a mis en forme des guides qui aident les oui. municipalités à organiser des canjots pour les jardins communautaires. Mm -hmm. Alors c'est intéressant et pour la marina. La marina, la ville de villemarie euh, pense pouvoir annoncer, faire une annonce sous peu euh, que les, les ceux qui bénéficient les plaisanciers, là, les ceux plaisanciers qui, oui. merci ceux qui bénéficient de la marina. Voilà pourront s'y présenter. Bon. Cela dit, pour certains parcs, les parcs où il n'y a pas d'air de jeu pour enfants, à savoir le parc du centenaire où mmh. on peut aller se promener ouais. sur le bord du lac, le parc des aînés ou le parc des artistes, ces parcs-là vont réouvrir. Parce que ce ne sont pas des lieux où euh, il y a des espaces jeux, de jeu, des aires de jeu. Celui-ci sera fermé, là, le parc Richelieu. Le parc Richelieu reste là. fermé, bon. tout comme le parc euh, derrière le Haut-Mardieu reste fermé. Mais les parcs euh, où les gens peuvent simplement se promener vont être euh, de nouveau accessibles au public. Et euh, on remercie beaucoup la ville de Villemerie de rendre disponibles les différents guides qu'ils ont euh, conçus pour aider le milieu municipal. Pour le milieu municipal, pour les municipalités ou les euh, employés municipaux qui voudraient euh, prendre connaissance de ces guides-là, pouvoir les utiliser, mm -hmm. un numéro de téléphone, celui de la Ville de Ville-Marie, 819-629-2881. Vous faites le poste 106, c'est Martin comte Alors, euh, il saura vous diriger vers les bonnes personnes pour les différents guides, pour avoir plus d'explications. Mais on remercie déjà la Ville de Ville-Marie de cette ouverture-là, c'est vraiment apprécié. Autre chose? Dernier point. Oui. Rappel pour les employés, les lieux de travail des municipalités, les employés qui ont moins de 70 ans peuvent se rendre sur les lieux mmh. de travail et à la condition de respecter les consignes de santé publique. On avait parlé des employés entre 60 et 70 ans de ne plus se présenter. Ouais. Cette consigne-là a été modifiée hier. Ouais. Madame Guilbeault, hier, dans ouais. son point de presse, l'a mentionné. Et je termine en disant qu'hier, dans le point de presse, elle a également salué... De la manière suivante, elle a souligné le travail des élus municipaux pour leur collaboration et pour le travail accompli. Et les élus municipaux de la MRC de Témiscamingue soulignent et remercient énormément tous les employés municipaux pour leur contribution à maintenir. Une belle qualité ouais. de vie dans nos milieux en période de pandémie. Voilà. La prochaine chronique, ça ira donc à mercredi prochain, Claire. La pas? prochaine chronique va avoir lieu demain. Il y en aura euh, une demain, c'est-à-dire vendredi. Oui, le mais à partir de la semaine prochaine, ouais. on va ralentir le rythme, la cadence euh, va être réduite. On va mettre beaucoup d'énergie à la reprise des activités dans ouais. nos bureaux, dans dans le quotidien de nos activités à nous. Donc, les chroniques vont revenir les mercredis et vendredis. On reste présent avec vous, on reste alerte sur ce qui pourraient vous concerner. On va rester ensemble, au moins jusqu'à la fin juin, mm. mais ça va être deux fois par semaine, peut-être trois si c'est nécessaire. Là, ouais, on s'est donné le mot d'ordre de rester présent auprès de la population. Alors, vos questions sont toujours bienvenues, vos interrogations, vos commentaires, n'hésitez pas. Et vous le voyez, on est en collaboration, en lien souvent avec les élus. Les différents ministères aussi. Les différents ministères on a accès à l'information, mais surtout, on peut identifier clairement auprès d'eux quels sont les enjeux qu'on rencontre pour qu'ils amènent des solutions concrètes. Exact. Exact. Alors, on reste en ligne. Merci beaucoup, Claire. À demain. Merci, Yves. À demain. À demain. À demain. Bye. Bonne journée, tout le monde.